Bonjour, c'est Magique Pascal. Aujourd'hui, je vous présente un tour avec des cartes. C'est dans le livre intitulé The Very Best Philgoshtein que j'ai travaillé un tour de cartes appelé Contre-Révolution. C'est avec seulement 8 cartes que ce tour de magie se réalise. Dans cette vidéo, rien n'est truqué, seulement du travail sur la magie des cartes. A tout de suite pour un tour de magie incroyable. Un tour de magie qui se réalise avec 4 cartes noires et 4 cartes rouges. Les cartes rouges à ma gauche, les cartes noires à ma droite. Concernant les cartes rouges, je vais les laisser de côté pour le moment. Avec les cartes noires, je vais leur donner le pouvoir de s'animer. Petit geste magique. Maintenant, regardez. Quelque chose vient de se passer. Si nous regardons de plus près, une carte vient de se retourner. Incroyable, n'est-ce pas? J'effectue de nouveau le geste magique et la surprise, une deuxième carte vient de se retourner. Pour la troisième fois, geste magique, et cette fois, nous avons trois cartes qui viennent de se retourner. Pour finir, dernier geste magique, et là, c'est extraordinaire. Toutes les cartes sont maintenant face en bas. Alors, vous allez me dire, c'est incroyable, mais ce n'est pas magique. Pour rendre ce tour encore plus un vrai miracle, il suffit de le frotter contre le tapis rouge, afin que les cartes deviennent rouge. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est qu'y a-t-il dans l'autre paquet? Eh bien, tout simplement, des cartes noires. Il semblerait qu'un transfert de cartes a eu lieu d'une manière magique, n'est-ce pas? Bien entendu, toutes les cartes peuvent être données à l'examen. Merci à vous.